Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, le samedi. Ouais, samedi 21 avril. Bon, ok. Aujourd'hui, ok, je fais une vidéo spéciale pour un joueur que probablement que ça fait pas longtemps qu'il est sur CyberScout. Se nomme Epic Lucaria. Excusez-moi, ok, je sais pas comment m'exprimer en anglais, ok, veuillez m'excuser parce que moi je sais pas comment m'exprimer à 100% en anglais correctement. Ok, I don't know to talk in English correctly. Ok, puis en fait, aussi ça va vous permettre de savoir aussi, par exemple, si vous voulez voir des vidéos de quelqu'un, ok, qui ne serait pas sur YouTube, ok, mais dans un forum, genre aller voir les vidéos de ces vieux temps qu'il aurait fait sur certains jeux, et moi dans mon cas, moi c'est Super Mario All-Star, ok, genre c'était des vieux scores que j'avais il y a environ 3 ans, puis dans ce temps-là, ben, il y avait personne qui avait demandé l'ajout des temps pour tous les mondes de Super Mario All-Star de Super Mario Bros. 3. C'est sur Super Nintendo System, la SNES. Ok. Puis vu qu'on est aux États-Unis, moi j'ai la version NTC. Mais c'est pas ça qui est important, mais c'est genre pour le speedrun, ok. Puis là, quand j'ai vu à un moment donné qu'ils l'ont ajouté il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai décidé de poster mes temps là. Vu qu'il y en avait un qui l'avait posté. Et cette personne-là. Ok, imaginez-vous donc qu'il ne croit pas à mes temps. Bon, là, je me suis dit dans ma tête, ok, en voilà un qui sait pas à qui a affaire. Puis en même temps, c'est du coup aussi que la première réaction que j'ai eue, c'était genre, moi, je qualifierais comme mot insultant. Je veux dire que c'est un des fake records que je fais. Ok? Sauf que le problème sur puis mes vidéos sont sur Video Game Record, mais certaines personnes ne peuvent pas les voir. Pourquoi? On va voir ça pour le navigateur Google Chrome, comment regarder le contenu vidéo d'un forum si vous n'êtes pas capable de le lire en étant invité, même si vous n'êtes pas inscrit. Lorsque Pokémon Master 888 m'a envoyé un message pour me dire que quelqu'un me soupçonnait de que j'ai fait des faux temps, mais c'est des vieux temps que j'ai fait il y a 3 ans, tu sais, puis je n'ai aucune motivation à vouloir rejouer au jeu puis refaire encore des vidéos genre pour mettre ça sur YouTube pour lui montrer pour montrer que j'ai bien fait ces temps-là. Mais il est pas capable de le voir sur VGR. Fait que selon moi, c'est que dans les paramètres avancés de Google, ok, le mode flash n'est pas activé pour le site. Puis il faut le mettre en référence et activer le mode flash pour pouvoir voir les contenus vidéo d'un forum. C'est pour ça qu'il est pas capable de les voir. Il est pas obligé de s'inscrire. Parce que j'ai essayé de lui dire, puis j'ai même il dit méchant parce que j'ai demandé à quelqu'un, parce que je m'en souvenais plus par cœur, mais je me souvenais que genre quelqu'un, parce que j'avais déjà eu le même problème moi aussi. À un moment donné, j'étais plus capable de regarder les vidéos sur VGR, puis même mes propres vidéos aussi. Fait que là j'ai demandé à quelqu'un sur le site, puis il m'a répondu t'as clairement quoi faire. C'est qu'il fallait que j'aille dans les paramètres avancés. Ok, puis j'allais dans une section où ce qu'il faut pour le contenu. Puis après ça, je vois le mode flash, faut que je l'active et que j'ajoute le site référentiel pour que je puisse voir les vidéos à l'intérieur de ce site-là. Puis ça a tout réglé mon problème sur l'ordi de ma sœur qui est en voyage en ce moment. Puis là, je suis sur l'ordi de mon ancienne sœur qui maintenant qu'elle habite à Montréal pour le moment, là, mais pour l'instant, elle est toujours ici, mais je veux dire, en fait, c'est ça, elle a un nouveau job, puis elle habite avec lui à Montréal, donc c'est ça.
Fait que là, c'est que puis là j'ai pas activé j'ai pas activé le mode flash et ajouté le site de Video Game Rocker dans référence pour que je puisse voir les vidéos. Je vais vous montrer comment qu'on fait. C'est vraiment très simple. OK? Puis je peux vous dire que genre les personnes qui croient que mes temps ou mes records sont fausses, OK? Attention, ils m'ont pas vu venir encore parce que je réserve toujours des surprises, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça. Parce que, ben oui, ok, c'est normal qu'il me le demande parce que lui ne me connaît pas. Mais je pense qu'il a pas vu mon historique. Fait que, genre, il peut pas le savoir non plus. Je peux comprendre ça, mais pour moi, c'est insultant pour vous dire. Parce que moi, je suis quelqu'un. Moi, je vous ai toujours dit que je suis l'une des personnes les plus honnêtes au monde. Ok, parce que moi, j'aime pas mentir. Bon, ok, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Bon, ici, j'ai mis. J'ai mis toutes les vidéos que j'ai pu mettre ici. OK? Là, vous pouvez voir en haut, là, genre, que j'ai mon loading, mon nom enregistré automatiquement à chaque fois que je rentre dans la page. J'ai le mot de passe parce que j'ai demandé à Google de pouvoir enregistrer mon mot de passe et mon puce d'eau pour le forum. Parce que j'y vais régulièrement. Comme ça, je suis pas obligé de tout leur taper à chaque fois. Bon, admettons que je vais aller voir une vidéo genre de mon temps qui est genre le World 1 Earthship 239 secondes. OK? Bon, admettons que je cliquerai dessus, mettons. Voir la vidéo. Je clique sur voir la vidéo. Oh, il n'y a rien. Mais que se passe-t-il? Pourquoi je ne vois pas cette vidéo-là? Si on se fie à ce qu'il y a ici, disons monde 1, niveau 5, 6, forteresse, peut-être un ship aussi. Ouais, et bateau. Que j'ai marqué en français. Oh, il n'y a rien partout. Je serais supposé voir un gros écran noir, puis il est marqué P, quelque chose de player, quelque chose dans le genre là, ou W player, je ne sais plus trop quoi exactement, là. La sorte de pour voir les pour faire les vidéos là pour qu'on puisse les voir. Puis là on voit rien. Mais que se passe-t-il? Ben genre mon mode flash n'est pas actif et j'ai pas mis en référence ce site là. OK, Video Game Record, la page d'accueil pour qu'ils puissent voir le contenu des vidéos qu'il y a là-dessus. Donc comment qu'on fait pour essayer de voir une vidéo qu'on ne voit pas sur un forum qu'on a intérieurement posté ou qu'on a téléchargé dessus ou bien que d'autres ont téléchargé puis je veux voir leur vidéo pour voir si leur temps ou leur score sont bons. Parce que moi là, pour vous dire leur faire ça là, tout au complet, oh Seigneur, ça va me prendre un temps fou encore. Puis j'ai pas la motivation pour ça. Parce que moi je veux viser le top 5 de Cyberscore. Puis pour cela, je vais jouer surtout à Super Mario 3D World puis à Super Smash Bros. For Wii U. Ouais, c'est ça. Je vais tenter le tout pour le tout aussi. Mais là, là ça m'entarde un petit peu, là, fait, ici. Mais c'est juste pour... c'est ça. Je vais vous montrer comment qu'on fait. Bon, OK. Admettons, OK, qu'on retrouve une passe Google. OK. On doit aller sur le petit onglet 3 pointillés. Sur la droite. On clique dessus. On va sur paramètres. Je sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais on doit cliquer sur paramètres. Là, il va nous sortir le setting. Ben, les paramètres de Google. Qu'est-ce qui a été programmé pour le navigateur? Parce que, qu'est-ce que ça fait un navigateur? C'est que ça navigue vers les pages web auxquelles que vous désirez aller. Genre, c'est comme un moteur de recherche dans le fond, Google Chrome, ouais. Bon, là, OK. Là on voit nos paramètres, mais là, il faut cliquer ici après. Pour aller dans paramètres avancés. Qu'on puisse les voir de plus près. Attends une minute, ça baigne un peu, là. Des fois, ça gèle. Attends une minute, là. Ah, que j'haïs ça quand ça gèle. Ouais!
Attends, je recommence, OK? Bon, dans paramètres. Bon, parfait. Là, maintenant, on va dans paramètres là. Là, on s'en va cliquer sur paramètres avancés. Il va tout nous montrer. Tous les paramètres avancés. On a impression, accessibilité, système, langue, mot de passe. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est confidentialité et sécurité. Le premier onglet. Après paramètres. Juste en dessous de paramètres. Là, on voit confidentialité et sécurité. On doit aller vers paramètres du contenu. C'est ça, l'appareil de contenu. Là, on a cookie, position, appareil photo, micro, notification, Java, flash. On doit cliquer là-dessus. Bon. OK. Là, on voit que c'est actif. Le flash est demandé d'abord recommandé. On voit qu'il est actif, il est au bleu. Là, je vais masquer ça, là. Parce que c'est les mises à jour. Ça, il me fait tout en charge à chaque jour. C'est maintenant. Bon. OK. Là, maintenant, il n'y a aucun site de bloquer. Il n'y a aucun site d'ajouter pour le blocage. Là, il faut aller sur autoriser. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. On va sur autoriser, ajouter. Là, tu dois mettre en évidence, tu dois ajouter le site. Le site visé est https 2.://www.video-game avec S, record avec S.com. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique je le mets en bleu. Je fais copier et je le colle ici. Je fais ajouter. Maintenant, j'ai ajouté, j'ai autorisé pour le contenu de ce site-là. OK, pour les vidéos qui sont postées là, j'ai le droit de les regarder. J'ai autorisé le flash à pouvoir regarder les vidéos sur ce site-là. Bon, sur ce forum-là. Bon, là, on a ça. Bon, OK. Là, on a ça ici. Bon, OK, il n'y a rien qui est apparu. Là, je vais faire F5 pour réactualiser. Pour voir ce que ça donne. Faites un clic droit. Attendez. Ça charge. Oh! Qu'est-ce que je vois ici? Oh! Tiens, c'est ma vidéo. Je peux aller consulter. Ah ouais, go! Wouh! J'avais fait ça il y a environ 3 ans de ça, là. OK? On va faire un agrandissement. OK. Je te dis, c'est pas de très bonne qualité, mais c'est pas si grave que ça. Moi, je voulais juste vous montrer comment qu'on fait pour garder une vidéo d'un forum, de tous les gens qui ont téléchargé une vidéo pour ce forum-là. OK. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez, vous voyez? Wouhou! C'est pas pire, hein? Check ça, mon ami. Bon, OK, c'est pas très clair, c'est sûr, là, vu que la vidéo, l'appareil que j'utilisais auparavant était de basse qualité, disons-là. OK, c'était pas super, super. Mais si j'utiliserais celui-là, on verrait bien plus clair. Comme vous voyez, on voit 287 en bas. 287, 285, wouh! 284, wouh! Ouais, on continue-tu pendant 3 autres minutes? Ben bien sûr que oui, mesdames et messieurs. Au moins la personne va le savoir, au moins que je peux voir mes vidéos sur VGR, comme ça j'aurai pas obligé de refaire une deuxième fois la même chose. Oups, je suis mort. Ma vidéo dure 4 minutes 41. Fait que. C'est ça, j'ai. Ça c'est là aussi, là, que
que pour faire ces temps-là, il faut que vous accumulez des items durant votre partie, puis vous sauvegardez à mesure, hein, pour tout enregistrer. On voit pas très bien, c'est 284. OK? En tout cas, vous avez compris, genre, puis ça, c'est mon run de 238, probablement, 239, probablement. Ouais, ça, c'était mon run de 239. Bon, OK. OK. Bon. Ben là, vous savez que là, là, maintenant, vous savez comment faire pour garder une vidéo sur un forum. Maintenant, c'est à vous de jouer. Epic Lucaria, c'est à vous de jouer. Refaites le même processus. C'est facile, comme tout. Il devrait avoir ça dans vos paramétrages. Si vous utilisez un autre navigateur de recherche autre que Google Chrome, il faudrait juste que vous vous informez auprès de quelqu'un pour vous aider. Mais moi, je l'ai fait spécialement pour lui parce que genre, il croit pas en mes temps. Il est pas capable de voir mes vidéos sur VGR. Puis là, il s'est inscrit, genre, inutilement. Parce qu'il m'a dit que c'est mon dernier message. Il était pas obligé de s'inscrire. Regardez, je serais invité. Puis regardez, je peux regarder les vidéos. Regardez. Vous voyez, je suis encore sur le mode invité. Bon, OK, allez, go, je me connecte. Oh, je peux voir mes vidéos aussi. OK. Puis combien de vidéos que j'ai faites, moi, au total? 1564. Il y a certains meetings strippage que j'ai mis là-dedans. Mais c'est ça. Pour prouver mes records, c'est ça. Sur VGR, ben, c'est surtout les mêmes vidéos que j'ai mis sur YouTube pour Super Smash Bros. For Wii U. Pour le reste, ben, c'est genre. Ça date de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais, à peu près. Parce que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aidera à pouvoir consulter du contenu que vous voulez voir sur les forums que vous êtes habitué d'aller régulièrement. Pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'est ça. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis à une prochaine fois. Good ciao, là.